la violence, les braquages à main armée, la formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant, d'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés, car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. L'Église que nous avons, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, de vérité et de courage. En plus, l'Évangile n'est pas une idéologie, mais parole de Dieu avec un pouvoir de libération. Oui, l'espérance qui est en nous